Alors, ce que je suis super content, c'est que sur les réseaux Facebook, Instagram, ça devient hyper interactif en fait. C'est-à-dire que tout le monde communique. Là, j'ai mis une vidéo hier par rapport à des problèmes que les gens ont avec Other, tout ça. Et je vois que ça répond derrière. C'est sympa parce que du coup, c'est pas seulement moi qui vous donne ma version. Les gens, ils disent, j'ai lu. Il y en a un qui disait, ouais, Other, c'est pas bien. Alors qu'en fait, on se rend compte que c'est le meilleur thermocopieur qui existe depuis la nuit du tatouage dans notre métier. Et que les impressions se font juste au top. Il y a une personne qui a dit, ah, c'est compliqué, nanana, tout ça, vous avez vu peut-être dans les commentaires Facebook. Et il y a des gens qui ont répondu en dessous, mais écoutez, comment ça, il est compliqué, mon gamin de 7 ans, il arrive à faire du carbone, quoi. C'est quand même. Et en plus, c'est intuitif, parce qu'il y en a qui dit, ouais, mais le mode d'emploi, je pense que je mets quand même pas mal de vidéos pour expliquer, c'est quand même mieux d'avoir une vidéo interactive, je pense que c'est comme les recettes pour faire un tatou. Et là, la dernière question que j'ai reçue hier, on m'a dit, Fred, j'ai acheté les pots de 3 mm chez toi, j'ai acheté le papier Atsui chez toi, j'ai le Other de chez toi, et je fais, parce que je leur dis souvent aux gens, ne mettez plus de stencil sur les pots synthétiques, le savon, c'est mieux. Et regardez, en plus, je vous montre même la marque, c'est celui du Auchan, 60 centimes. Hein, même si c'est la crise, on peut se payer un savon comme ça. Voilà. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais devoir refaire un calque avec du réalisme, parce que là, ils m'ont dit, le thermocopieur Other, il a peu de mal avec le réalisme. Donc là, c'est quand même sympa, quand même, non? S'il arrive à sortir ça. Si vous voulez au-dessus de ça, faudra vous diriger vers l'éco-tank, il n'y aura pas le choix. Et l'éco-tank, c'est... un investissement différent, mais je pense que déjà, on ne peut pas se plaindre. Quand on voit ce qu'on sortait en 2012 ou 2010 avec les thermos, on en arrive là, vous en voulez toujours certains. Je ne parle pas en généralité, vous en voulez toujours plus. Mais là, déjà, la technologie qu'on a, elle est juste hallucinante, il faut dire ce qui est par rapport au prix. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai un petit spray, j'ai mis de l'eau à l'intérieur et je vais en mettre sur ma peau, comme je vous montre, j'en mets pas trop. Et je vais masser la peau sur une peau de chez nous. Hein, je vais le refaire parce que la personne m'a dit, Fred, ce que tu m'as marqué, c'est... oh mince, j'ai un petit peu de tiré de... Voilà, donc là, je vais mettre mon savon. Donc en fait, le but du jeu, hein, c'est d'éponger l'eau avec le savon. C'est-à-dire, en fait, c'est de rendre l'eau grasse. À un moment, ça fabrique une vraie pâte. Il ne faut pas laisser de flotte, hein, en fait, dessus. Voilà, voilà, vous massez bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau... voilà, comme ça. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais là, je vous le refais. Voilà. Donc là, j'enlève mon savon et je finis avec le doigt. Voilà, c'est une petite vidéo. Parce qu'il m'a dit, le problème, c'est que ça ne transfère même pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire la vidéo là et je vais laisser cette peau ici dans le bureau, puisqu'il n'y a personne qui sera là tout ce week-end. Et lundi, on va essayer de l'effacer parce que le monsieur m'a dit au premier coup de chiffon, même après 24 heures, oh là là, ça s'efface à une vitesse, franchement. En gros, la vidéo que j'ai pu faire, ça ne servait à rien, en fait, puisque voilà. Donc voilà. Donc là, j'ai massé ma peau avec du savon et je vais poser là-dessus, dessus, d'accord? Tac. Et lui m'a dit, ça ne transfère même pas. Alors par contre, je vous demande de quand même le laisser appuyer, hein, pas juste faire une posée comme ça. Vous voyez, en fait, je fais tout en même temps. En plus, ce qui est bien, c'est que je le fais en direct. Il n'y a pas de coupure mytho comme vous voyez. Parce qu'il y en a un, il m'a dit, ah, Fred, tu devrais faire des vidéos plus dynamiques, quoi. Tu sais, où tu fais les coupures, quand les gens y parlent, même quand ils bafouillent ou quoi, bah, hop, c'est coupé, c'est coupé, c'est coupé. Donc en fait, le discours, il est parfait. C'est le discours d'un politicien. Mais franchement, il n'y a plus rien d'humain. Vous le savez, de toute façon, de l'autre côté de l'écran, il n'y a plus rien d'humain. Tout est faux. Il y a des gens et il y a tellement de filtres. Bon, moi, c'est bien, vous ne voyez pas mon visage. Donc, comme ça, j'ai même la possibilité de ressembler à rien et de faire des vidéos. Donc, du coup, voilà. Donc là, je la masse quand même bien. Hein. Faut quand même faire le transfert. Hein. Si vous pouvez bien appuyer dessus, et bon, ça devrait tenir. Et regardez. Attendez. Pas que ce soit pas tout à fait sec. Oh, ça commence à être pas mal. Hein. J'aime bien quand ça adhère fort. C'est-à-dire que faut faire vraiment attention parce que plus vous allez masser votre peau, plus elle va paraître sèche, plus le transfert va se faire. Si elle est un peu mouillée, je pense que c'est ce qui se passe sur des gens. Si elle est un peu mouillée ou complètement sèche, ça ne marchera pas. C'est pas mal. Ouais, j'aime bien quand c'est encore un peu plus, quoi. Faut le faire proprement, hein. Prenez votre temps. C'est pas parce que j'essaie de vous faire une vidéo qui ne doit pas dépasser les 6 minutes que vous n'avez pas. C'est bien de le laisser bien prendre, quoi. Déjà la personne m'a dit que ça ne transfère pas. Donc j'aime bien voilà, prendre tranquillement et décoller. Ouais, il n'est pas génial, hein.
Ouais, il n'est pas génial, il est quand même bien fait, quoi. J'aurais pu le faire mieux, parce que là, je l'ai fait en direct avec vous. J'aurais pu éviter d'avoir les pertes là, parce que je ne les avais pas sur le papier. Bon, hein, quand même, entre nous, j'aurais pu le faire mieux. Je vais le tester d'une autre façon. Du coup, je vais en tester un autre modèle, puisque j'ai cramé le mien, ça ne s'utilise pas 3 fois. Bon, là, il m'a dit, ça ne transfère pas du tout. Et maintenant, de toute façon, j'aurais pu faire mieux, hein. J'aime bien quand c'est perfect, c'est-à-dire que j'aurais voulu que ça soit comme le haut. Je pense que j'aurais dû le laisser un peu plus, j'aurais dû le masser un peu plus, mais là, comme je l'ai fait en direct, bon, sur la peau synthétique, il est quand même propre, hein. Voilà, je veux aller plus loin. Je vais le laisser sécher maintenant, d'accord? Tout le week-end, je vais partir et on refera une petite vidéo et on va essayer de l'effacer juste pour le monsieur, pour lui montrer que ça, on va y arriver au bout d'un moment, mais on peut y aller, hein, on peut bosser dessus et vous verrez, hein. Voilà. Donc c'était la petite vidéo pour vous montrer que voilà. Donc moi pourquoi encore j'ai réussi devant vous en direct et qu'il y en a qui n'arrivent pas avec les savons qui sont disponibles. C'est pas obligé qu'ils soient Cosmia de chez Auchan, hein. Il peut venir de chez Leclerc et à ce qui paraît c'est même moins cher et je vous le dis souvent. Voilà. Merci à vous de m'avoir suivi. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Hein, si vous regardez la vidéo, ça sera peut-être un autre jour, mais en tout cas là, nous on est vendredi. Et puis je vous remercie de suivre mes vidéos. Je vous dis à bientôt.